notre terre, elle est très belle. Nous aimons beaucoup parce que c'est notre terre. Elle est belle, elle est riche. Si vous restez avec nous, nous allons vous la faire découvrir et découvrir comment nous vivons ici. Bonjour Madame Fatime. Bonjour Hussein. Comment vous allez? Bien et toi? Ça va, Dieu merci. J'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi vous êtes intéressé à la caméra, vidéo, montage de films? Eh bien, je suis intéressé à la caméra parce qu'à travers la photographie, on peut découvrir de très jolis endroits. On peut voyager à travers le monde sans pour autant voyager. Et je suis intéressé aussi par les documentaires parce que ça relate beaucoup de choses dont nous ignorons dans certaines zones. Et d'autre part, pour les messages que les documentaires font passer. Et là, on est une équipe, nous sommes 6. On est venu visiter avant la réalisation du documentaire les endroits qu'on peut montrer au public, qu'on peut montrer au monde, comme quoi Faye aussi est jolie avec des jolis endroits. Bonjour Yasmine. Oui, bonjour Sarah. Ça te fait pas peur cet endroit? Non, ça me fait pas peur. Tant que les gens sont là, comment je vais avoir une peur? Ah bon, là c'est cool. Comment tu vois le milieu? Le milieu est large, est beau, tout est beau. Ce qui est autour de moi, tout est beau. Hein. Et comme les uns et les autres aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Là c'est cool. Mais tu peux déplacer une montagne ici, partir ou mettre en ville, non? Oui. Non, mais ça ne sera pas possible, toi aussi. Ok, y'a pas. Là, c'est bon. Hello, les amis. Ça va? Bien, alhamdoulilah. Comme vous le savez, c'est toujours Yashu. La chouchou de la 100.1 MHz. Yasminatou. Comme je viens de dire, ça, c'est ma chambre. Ma chambre à moi, Yasmine Khalil Abdelkarim. Ma chambre personnelle, privée. Voilà. Ça, c'est mon miroir, hein, que je vois le visage avec. Si je suis belle, soit vilaine, s'il y a quelque chose au visage ou pas. Ça, c'est le miroir qui me permet de voir ce bel visage de Yasso. C'est et ça. Voilà, on est en train de faire notre documentaire pour remplir et savoir ce qui se trouve actuellement dans les villes de Faya. Parce qu'il y a des gens qui ont raconté que la ville de Faya, c'est une ville qui a les guerres. Mais au fait, il n'y a pas les guerres à Faya. Ils disent que la ville de Faya, il n'y a rien que les dachés. Mais or, il y a les paysages, il y a les belles paysages. Que moi aussi, un jour, je n'ai même pas vu. Et voilà, c'est des commentaires qui m'ont permis d'aller voir ces paysages. Waouh, vraiment. Vraiment, j'étais très, très, très contente et très heureuse de moi-même, très fière. Et je vais à ce que si Dieu me donne deuxième chance d'aller voir ces paysages, là où on était ensemble, tous les groupes. On a beaucoup fait, on a beaucoup filmé, j'ai beaucoup vu. Bonjour, aujourd'hui on est venu ici dans un jardin pour essayer de voir tout ce qui se passe dans le jardin.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. كيف كويسين؟ كيف قاعد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كيف كويسين؟ جيد. ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. ده هنا الدواب ضيافة كلنا موجودين. ده ضيافة. ده ضيافة. Vous pensez que ici il y a l'eau, il y a l'eau qui est abondante ici à Faya. Grâce à cette eau, les gens font de l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture qui est industrialisée. Ici, on fait avec les mains. L'agriculture qu'on fait ici, c'est uniquement qu'on met au marché du Faya, que les gens mangent et fini. Rencontrer ici aussi des gens qui avaient vécu à la vie nomade mais qui vivent maintenant à Faya. Ces gens travaillent maintenant dans leur jardin pour la récolte des dattes ou la culture des légumes et tout. Arrivés ici à Faya, ils sont restés parce qu'ils ont des jardins ici, parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école. C'est un peu ce qui les retient ici à Faya. Sinon, ils aimeraient bien vivre à la vie nomade. À la vie nomade, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Ils ne tombaient pas souvent malades. Ils se nourrissaient du lait de la chamelle. Mais maintenant, le monde change un peu. Du coup, ils ont préféré envoyer les enfants à l'école. C'est pour ça qu'ils se sont installés ici à Faya. C'est le marché de bétail de Faya Largio. Ouais. Voilà, je suis aussi avec un chameau blanc. Il m'a beaucoup plaint. C'est pour cette raison que je suis plantée auprès de lui. Je suis en train de parler. Voilà. Voyez-vous?
C'est jamais très beau, hein? Vraiment. La date, c'est l'économie mollet de la ville de Faya. Ça produit seulement qu'une fois dans l'année. Il le garde dans un magasin au moment où il y a des difficultés. Il fait sortir une sac, deux ou trois, pour subvenir à ses besoins. Les tomates, les légumes, tout ça, le gombo, on les fait tout ça ici. C'est grâce aux immigrés qui ont initié cette idée. Maintenant, on a tout, on n'a pas de difficultés. Dieu merci. Bonjour, bonjour les amis, c'est bien ici Abderrahman. Ouais, je suis au marché de Niamenaï. Très bien pour me faire filmer et puis avoir des informations. Comment on a fait ça? Zéro da, kulo bangau, pavon, tomati, karkongi, jarraba. D'accord, le fobus, d'accord, le chamon, kulo bin faibis, d'accord, le chèque, d'accord, le nina, bin faibis. La bitrap. D'accord, le bégira, d'accord, le nina, le bégira, ça n'a pas. À la Libye. Okay. Comment maintenant? Faya. Oui. Vraiment, Faya est complètement changé. Changé? Oui. Ah bon? Faya est aujourd'hui devenu un grand carrefour. Oui, oui, oui. Une ville cosmopolite, comme, pas comme avant, je peux dire. Oui, mais c'est bon, non? Oui. C'est, ça donne une belle image de Faya. Oui, belle image. Parce que tu vois, entre temps, il n'y a pas tous ces boutiques. Avant, les gens, les autochtones de la localité, nous les autochtones, on ne fait même pas ce qu'on appelle commerce. Si. On ne sait pas et on ne fait pas. Ceux qui sont venus d'ailleurs, toute l'économie est en leur main. Oui. C'est eux qui sont nos commerçants. Oui. Et ils importent. Oui. Et c'est eux qui exportent. Quand on était petit, on a à Faya, c'est carrément les gens de Faya qui sont là. C'est-à-dire, tous ceux qui sont ici parlent uniquement de la langue ourane. Mais avec l'évolution, en grandissant, on a même vu des gens qui viennent du nord et du sud, de l'est à l'ouest. Certains voient que le climat est bon et ils s'installent définitivement. Ils font leur commerce ici. D'autres viennent, c'est pour aller au site de l'or, parce que c'est le point focal d'ici. En 2013, sur notre propre terre natale, la même, oui. On a eu la chance d'avoir l'or. Tout le monde sont devenus des orfèvres. Toutes les jeunes qui ont l'âge supérieur de 13 à 14, 15 jusqu'à indéfini, quoi. Oui. Ils sont tous laissés là. On part, on revient, on part, on revient. Oui. Tout le temps, là, nous sommes en voyage. Nous sommes à la recherche. Oui. Même sur le terrain, on gagne le juste minimum imposable. On ne gagne même pas assez. Parce que l'exploitation est illégale et archaïque.
presque toute la génération, toutes mes générations ont les mêmes problèmes, quoi. Ils ont laissé comme ça l'école. Ils ont laissé comme ça l'école. Il y a un adage qui dit la connaissance est un pouvoir là. Si tu as la connaissance, tu peux faire n'importe quoi. Les jeunes maintenant qui ont l'âge de continuer les écoles, qui ont l'âge d'étudier, il faut qu'ils partent à l'école. Ils continuent les études. Il ne faut pas oublier les études parce qu'il ne faut pas laisser. Parce que les études, c'est quelque chose de l'avenir. Je suis un jeune qui a 18 ans, je viens du sud du pays. La distance était très longue. Je pensais qu'on allait partir dans un autre pays, mais finalement c'est le Faya et c'est le Tchad. Donc je suis arrivé ici. Je me suis adhéré à une activité de salon de coiffure. Grâce à ce salon, je fais beaucoup d'amis là. Oui, ça va bien? Ça va. Ok, là c'est pour lui. Merci mes frères. Tu voyais le gang. Je vis que l'amitié était bonne, on a fait de bons amis, des bonnes rencontres. J'aime la musique et aussi j'aime faire des petites vidéos avec les amis, tout ça, des souvenirs, tout ça. Donc, lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé une information que l'OIM prend des jeunes pour la formation en réalisation d'un documentaire. Parce que Faya Largeau, c'est un endroit dont on reste au sud. Je pensais que c'est un terrain de guerre, tout ça, mais nous sommes arrivés, ça va quand même. Donc j'ai retrouvé Faya très cool. Yo, yo, je vais te monter Faya. Yo, yo, je vais te monter dans mon passé. Yo, yo, je vais te monter Gatier. Yo, yo, je vais te monter les chameaux. Viens mon ami, yo, je vais te monter les chameaux. Yo. Yo, il va monter sur les montagnes. Yo, tu seras ravi à Faya. Yo, je vais vous monter des Mogassi. Yo. Bonne arrivée. Quartier démocratie. Moi aussi, je suis une habitante de quartier démocratie. C'est les migrants seulement qui sont ici, pas les autochtones. On est venu rester ici sur les dunes de sable. On a construit les maisons, tout ça, et on est resté. Voilà, chers amis, je m'appelle Tano Djal Prudence. Me voici aujourd'hui, je suis chez moi. Voilà ma sœur Ndikta Adeline qui est là. Mes enfants qui sont là. Il y a Ngaleji Ebenezer et Togle Ala Beni. Aïe, nous sommes cinq ans pour l'aller. Aïe. Voilà mes enfants, l'amour maternel. Oui, je ne suis pas de Faya, je suis de Maïsala. Mon papa était militaire, il est retraité, il est parti, il est reparti au sud. Et moi, je suis mariée, je suis restée ici avec mon mari. Et après, on s'est divorcé avec mon mari, je suis restée ici. Ma maman aussi est venue, on est resté avec ma maman ici. Je vais vous faire un peu de présentation. Ça, c'est la chambre à ma sœur Ndigta. Voilà sa chambre qui est là. Elle a une belle chambre comme ça. Merci beaucoup. Et ça, c'est la chambre à ma maman. Voilà sa chambre qui est là. C'est sa chambre, la chambre à ma maman. Voilà, merci beaucoup. Voilà ma fille Talta, la fille à mon grand frère. Les gens viennent beaucoup d'autres villes, de Sar, certains viennent de Sar, Moundou, vers le sud, là, ils viennent ici beaucoup. Certains, c'est l'autre, l'État qui les amène, et certains aussi viennent pour chercher à manger. Parce que là-bas, ils ne trouvent rien, ils viennent ici, ils cherchent un peu de l'argent pour aller faire aussi quelque chose chez eux. Ils viennent ici, certains font aussi des...
jardin. Ils construisent les maçons qui viennent aussi pour construire. Et il y a beaucoup de choses. Je suis ici à Faya il y a de cela 2 ans et demi, dans le cadre vraiment des études. Et je suis un Tchadien, je viens du Tchad, Mundun, Djamena, Doba, j'ai fait un peu partout le sud. C'est tout un mélange de la population entre ceux de les musulmans et les chrétiens. Donc il y a une concordance entre cette population. Nous vivons en harmonie pour un peu atténuer également la mentalité des gens qui vivent partout ailleurs. Nous sommes très bien ici. C'est également notre pays. Les gens du sud et les autochtones, avant là, ils ne se comprennent pas. Avant, les gens ne sont pas vraiment ouverts, c'est-à-dire les gens de Faya. Ils ne savent pas coopérer avec les gens, ils sont tout le temps agressifs. Mais l'arrivée des gens, et même certains des gens de Faya, ils ont fait des voyages vers d'autres villes. Et ils ont compris que la vie, c'est de vivre en société. Ils ont compris ça. Et maintenant, là, Dieu merci, on est familiarisé avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Nous sommes comme des frères et sœurs comme ça. Là où on vient, nous sommes des frères et sœurs. Il y a la cohabitation pacifique, là, il y en a partout. Chers amis à l'écoute de la radio Faya, bonsoir à ma sœur Yasmine. Tu peux me parler en français, je comprends aussi. Tu vas comprendre. Et ma sœur, qu'est-ce que tu as? Yo, ni eski. Eski bey tara qu'est-ce que tu as? Nyer mo wasa. Wasu. Ay mo wasra. Wasu gini bey. Ay mo wasu. Wasu bes. Ay gini de harani dad da sa. Sa le mo ay pardon. Arrête. Ay toi aussi. Non, la grande, après, je vais apprendre. Tu vas apprendre. Pas que moi, si là, là. J'attends toujours parler que les grandes, tes parents ne mangent pas aussi la poule. Et ils mangent seulement que l'autre macaroni. Les spaghettis et le riz, le duedit, tout ça, c'est vraiment. Moi qui suis devant toi, là, je ne mange pas la poule. Hein. Mais c'est pourquoi tu es un peu maigri comme ça, là. Si je tu manges la poule, tu allais être comme moi, comme ça. Je suis fière de ma forme. Vraiment, j'ai fait combien de personnes? Tu ne peux pas ta forme comme espaghetti là. Pas de problème, ça c'est le Dieu donné. Parce que tu vois, ah, Dieu donné, tu vois. Si pas moi, là. C'est pas Dieu qui t'a donné ma soeur. Ça. Ok, bon, merci beaucoup. Ok, chère. Merci pour la compréhension. Tu es très gentille. La ville de Faya maintenant était cosmopolite, quoi. Pas comme avant. Maintenant, beaucoup de gens sont arrivés, beaucoup de choses sont changées. Mais les gens vivent main dans la main. Ils ne font pas les différents que telle ethnie est de telle, je suis de telle ethnie, l'autre il est de telle ethnie, il n'y a pas ça. Seulement qu'il existe ce qu'on appelle la paix et la sécurité, la santé et la sourire des visages de n'importe qui. Oh, God.